C'est pas comme ça que tu vas y arriver. C'est pas une livraison. Allez, je t'explique. Tu dois appuyer sur ton frein. Ensuite, tu fléchis bien tes genoux et tu t'élances vers le haut en poussant sur tes jambes. Je vais te montrer. Tu vois ? À ton tour, montre-moi. D'accord. J'ai compris, merci beaucoup le melon. De rien, la livreuse. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le roi de la piste. Bien sûr, on peut pas l'oublier, vu que tu parles que de ça. Bon, écoute, je vais avoir besoin d'espace, d'accord ? Pour pouvoir m'entraîner toute seule. Et te priver du plaisir de ma compagnie ? Non, moi je dirais pas que c'est de la compagnie, c'est plutôt comme une sorte de torture. Je pense pas, non. Je ne fais que te croiser partout où je vais, alors. Non, c'est faux. En plus, je m'entraînais tranquillement et il a fallu que tu t'emmènes. Oui, mais grâce à ça, tu as réussi à faire le pas qui te posait problème, non ? D'ailleurs, je pourrais peut-être t'aider pendant tes entraînements. Hmm ? Je pourrais être ton coach personnel. Oui, oui, c'est ça, oui. Bon, on va passer un accord. On n'a qu'à dire qu'on se retrouve tout à l'heure. Je t'offre un jus de fruits et on discute de ton entraînement. Qu'est-ce que tu en penses ? Impossible de résister à cette proposition. Oui, c'est ta petite amie qui va adorer. De quoi vous parlez ?